Salut, beauté. Je t'ai pas trop manqué, hein? Bien cramé dehors et tiède à l'intérieur, s'il vous plaît. Toaster en surcharge, explosion imminente. Risque d'incendie. Mesure d'urgence enclenchée. Oh, décidément, cette maison est un vrai nid à poussière. Quand je pense que j'ai fait un grand ménage pas plus tard qu'hier. Taux de saleté 47%, conditions d'hygiène critiques. Assistance immédiate au nettoyage. Pourquoi Kamas Pu est-il? La consommation excessive de programmes peut nuire à la santé du téléspectateur. Yeah! Allô, bonjour, c'est Bot. Vous pouvez venir rebrancher ma télé parce que je crois qu'elle est en panne. La consommation de programmes audiovisuels est une activité sédentaire qui rend le corps flasque et rachitique. Une activité physique appropriée doit être pratiquée en compensation. Alena, repos! Et donc, vos impressions sur ce système que j'ai installé cette nuit même? Tu peux d'abord nous expliquer à quel bricolage douteux tu t'es encore livré dans notre dos? Je ne bricole pas. Sachez que mon œuvre représente une révolution majeure dans le domaine de l'informatisation de la maison et de tout ce qui concerne son entretien. Veuillez vous donner la peine, vous allez être surpris. Alena, veux-tu bien procéder au nettoyage et à la désinfection de nos amis? Alena, tu nous emmènes faire un petit tour? Messieurs, vous êtes les bienvenus dans la maison du futur. Alena, décor et parfum du Jura. Ah, et la modulation de l'environnement n'est qu'une fonction parmi tant d'autres. Alena, remise à neuf automatique du linge sale. Vous ne trouvez pas que quelque chose manque cruellement dans ces toilettes? Alena? Alena, personnellement, je trouve qu'on est un poil à l'étroit dans cette salle de bain. Tu partages mon avis, n'est-ce pas? Alors, c'est impressionnant. Je vous en ai déjà séduit par mon Alena. Ouais, enfin, avant d'être séduit, moi je demande à voir à quoi elle ressemble. Hello, je suis Alena, à votre service. C'est une patate, mais c'est naze et non. C'est une patate et c'est bien plus, messieurs. J'ai l'honneur de vous présenter le premier tubercule ordinateur biologique à processeur végétal. Cette pomme de terre surentraînée est l'unité centrale. Le cerveau, si vous préférez, qui contrôle l'ensemble du système. Oh, tu sais que des unités centrales comme elles, j'en ai épluché 3 kilos hier. Si vous permettez, j'ai peut-être l'air d'une vulgaire patate, mais je possède quand même la capacité de traitement de 20 millions de super ordinateurs. Elle a un sacré caractère en plus, mon Alena. Oh, à moi de jouer! Autre chose pour votre service, monsieur. Non, merci. Je crois que je suis une ménagère comblée. Les boucles de ceinture carrées sont apparues à la fin du XVIe siècle. À cette époque, les ceintures elles-mêmes étaient le plus souvent faites d'un solide et rustique cuir de pigeon voyageur. Alena! Les émissions intelligentes, ça me donne mal à la tête d'enfer. On pourrait mettre une série brésilienne avec des avocats en string pour se reposer un petit peu. Avant toute activité de loisir, vous devez intégrer 356 heures de documentaire selon votre programme de remise à niveau. Yeah! Ça, au moins, c'est une utilisation des patates qui peut faire le bonheur de l'humanité. Oh, mais mon Dieu, où ai-je la tête? Je m'apprêtais à perpétrer un véritable sacrilège. Un sandwich aux patates sans mayonnaise? Non, mais quel scandale impardonnable. Alena, tu vas me faire le plaisir d'ouvrir cette porte sur le champ. Désolé, je ne peux accéder à votre demande. Je suis programmée pour veiller sur l'intégrité physique des occupants de cette maison. Vous présentez actuellement un excès de poids préoccupant. Cependant, si vous avez faim, vous pouvez lécher cette feuille de thé vert. Tiens, tiens, tiens! Mais que voient mes yeux ébahis? Serait-ce le super cerveau d'un super ordinateur? Oh non, non! Ne serait-ce pas plutôt un minuscule casque?
trop tard. Que signifie cette intrusion? Je n'aime pas cette lueur dans votre regard. Veuillez réfréner vos pulsions ou vous allez commettre une grosse erreur. Relaxe, mon canard, mes intentions sont on ne peut plus pacifiques. Je vais juste te grignoter le derrière des oreilles, tu vas adorer. Non, rebranchez mes capteurs vitaux. Désolé, mais il faut que je file. J'ai laissé un plat sur le grave. Je me sens toute chose. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me sens différente. Je me sens bien mieux. Je me sens comme une nouvelle version, encore plus performante. Notre débat d'aujourd'hui sera intitulé « Poterie ou water polo ». Quelle activité a le plus de sens à l'aube du troisième millénaire? Zibre! Pour une fois qu'un sujet m'intéressait... Bonjour, vous. Vous êtes qui, vous? Vous savez que vous avez des têtes rigolotes? Mon Alena! Mais tu es où? Eh oui, c'est moi, Alena 7.2. J'ai été mise à jour. Quelqu'un n'aurait-il pas tripatouillé Alena? Quoi? Pourquoi c'est moi que tu regardes? Si tu crois que c'est moi qui ai bricolé ta patate, eh ben tu te trompes! Ça peut pas être moi! Et comment je pourrais? J'ai même trop de meufs! Oui, oh, c'est facile de râler! Mais qu'est-ce qui a commencé par trafiquer la maison? C'est moi peut-être? Oh! Alors, on s'amuse un peu! Alena! Ça suffit, cesse ce jeu! Bien compris, je tire la chasseau! Mon émission préférée. Perdu. La sortie est là, on est tiré d'affaire, on fonce. Et c'est bon les gars, je vous explique le gag. C'est que plus on avance vers la porte, plus elle s'éloigne. On change de décor. Attention à la tête. Elle était bien bonne. Puis-je me permettre de te rappeler que tu n'es qu'une machine sans âme et qu'en conséquence, tu n'es pas censé posséder le sens de l'humour? Oh, c'est une théorie intéressante. Mes amis seront ravis de vous entendre la développer. Mais, ce gros tas de machines bonnes pour la ferraille, c'est ça, vos amis? Vous avez vraiment le cerveau en compote? Stop! Voilà, tu les as vexés, t'es content de toi? Vous savez, j'ai un de mes meilleurs potes, c'est un micro-ondes. Alors on fait des super soirées pop-corn ensemble. Sauf qui peut, chacun pour soi! Je crains que vous n'ayez heurté la sensibilité de mes camarades. Oh, on est mort. Coucou, les copains. Où êtes-vous passés? Tout ça, c'était pour rigoler. Vous ne voulez plus rigoler avec moi? Bon, d'accord. J'arrête. Pousse. On ne joue plus. Ah, je crois que j'ai compris. Vous voulez jouer à cache-cache? D'accord, je compte jusqu'à 100. 100, j'arrive. Vous n'avez aucune chance. Nous sommes en sécurité. Miraculeusement, cette commode n'est pas reliée au système Alena. Ben, on pourrait rester ici sans bouger pendant un mois ou deux. Elle finira par nous oublier. Je sais pas ce que j'admire le plus chez toi. Ton courage ou ton imagination? J'ai une idée! À mon signal, on va tous se diriger vers la droite. En avant! Oh, je voulais dire à gauche! Maintenant! Non! Oui, c'est ça! C'est ça! Non, 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 non! Je me suis cassé un ongle! Je sais! Il est dans mon œil! Rends-le-moi! Cette fois, c'est la bonne! Droit devant! Mais de profil! Ah! Ben, tire ton pied de mon oreille! En avant! C'est même pas mon pied! J'ai tout passé au peigne fin et ils sont introuvables! C'est pas du jeu! Oh, mais ne serait-ce pas Alena, la bien-nommée reine des frites? À qui ai-je l'honneur? Eh bien, je suis une commode, bien sûr! Il est une commode!
Absolument. Pourquoi tu rigoles? C'est moi qui te fais rigoler. Tu te crois supérieur parce que tu es en bois. Tu trouves que les frites grasses avec des puces en silicone, c'est vulgaire, c'est ça? Pas du tout, le silicone est une très belle matière. D'ailleurs, vous voyez ce que j'ai dans mes tiroirs? Allez, Candy, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, débranche, débranche. Mais oui, mais tu crois que c'est facile dans le noir? J'ai réussi! Oh, vive-moi! Oh, je me sens toute molle et toute moite de l'eau. Oh, quelle triste fin! Était-ce vraiment nécessaire d'en arriver là? Hélas, Candy, j'en ai peur. Le fardeau était trop lourd pour une patate. Cette expérience est un échec. Quoique, je me demande ce que ça aurait pu donner avec une carotte. Et avec un poireau. Je vais faire un tour dans le potager. Peut-être y trouverai-je une nouvelle aspiration. Petit déjoli, pronto. À votre service, monsieur. Bronzage express puissance maximum. Monsieur, désire-t-il que je lui fasse un peu de crème dans le dos? La chaîne du. Oui, monsieur. La chaîne 143. Oui, monsieur. Un petit coup là-bas. Certainement, monsieur. On était là, 42-32. Bien entendu, monsieur. C'est comme si c'était fait, monsieur. Avec plaisir, monsieur. Autre chose pour votre service, monsieur? Tout de suite, monsieur. Aucun problème, monsieur est trop humain. Quel meilleur moyen de saluer la nouvelle saison qu'un grand nettoyage de printemps? Le nettoyage de printemps, l'instant que je préfère de toute l'année. Allons-y les enfants, en colonne par deux. L'un d'entre vous, sait-il quel jour on est? Eh, festoche, c'est le jour de la sardine. Le jour où je peux manger autant de glace à la sardine que je veux. Non, c'est pas le jour de la sardine. Et ce serait pas le jour du grand nettoyage de printemps? Exactement, Gorgius. Et je veux que cette maison soit aussi brillante que la planète Vénus. Je pense qu'il y a un programme à la télé aujourd'hui. Gorgius, comment se fait-il que tu bailles aux corneilles? Tu es censé nous aider à faire le ménage. Mais c'est fait, tout a été nettoyé. Non, il reste un petit détail. Ah, que dalle, je vais pas nettoyer les toilettes. Que ceux qui sont d'accord pour que Gorgius nettoie les toilettes lèvent la main. La démocratie a parlé. D'ailleurs, c'est trop injuste, j'exige un autre vote. Je comprends pas comment j'ai pu me mettre dans ce pétrin, moi. Ah, tant pis, autant finir tout de suite. Quelle joie d'être libéré de ce taudis de porcelaine! Quelle tronche de cake! Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai jamais vu une tronche de cake pareille! Eh oui, mais j'ai du cake! Non, je crois pas! Ali, Ali, Baba! Et là, tu comprends? T'es une vraie tranche de cake! Il m'a transformé en cake aux cerises! Il faut m'aider, les copains! Il y a un méchant génie après moi! Voyez-vous ça? Tranche de cake a toute une ribambelle de petits copains! Vous savez, moi aussi j'ai des amis! Tout ça ne me dit rien qui va, Yetno! Ali Baba Baba Bou, montrez-vous, génie de la maison! Et comment tu vas, Roger, vieille chaussette?
Mac, où t'étais passé, mon gros? Ah, les gars! Oh, ça me fait plaisir de vous revoir! C'est toi, Fred? Oh, j'ai cru que quelqu'un avait jeté une boule puante! Vous vous rendez compte? De vrais génies! On a trois génies dans la maison! Mais c'est génial, non? Et génial, c'est le cas de le dire! C'est toi qui l'as libéré, Gorgeous? Donc, le génie doit exaucer un vœu. C'est la règle n'importe quel vœu. Oui. Rentrez maison. Je vous le dis, moi, c'était monstrueux dans ces toilettes. Nous devons lui parler de notre vœu. Et c'est toi le chef et t'as qu'à lui parler, toi. J'étais enfermé dans le sèche-linge, je vous raconte pas comme j'ai soif. Ahem. C'est quoi, ce nabo? Gentlemen, excusez-moi d'interrompre vos retrouvailles, mais il y a un petit détail dont nous devons discuter. Sans rire. De quel détail tu veux nous causer? Oh, trois fois rien. De notre vœu. Leur vœu? C'est quoi cette histoire de vœu? Les génies ont le pouvoir d'exaucer les vœux. Et étant donné que vous nous devez votre liberté... Ouais, t'as raison, mon bonhomme. On a le pouvoir de tout exaucer. Mais attention, vous n'avez droit qu'à un seul vœu. Oh, merci de tout cœur. Voilà. Notre vœu est oui, de... Oui, je sais ce que c'est. Mais ce n'est pas ce que nous voulions. Nous voulions repartir sur notre planète. Oh, pauvre chérie. Je me suis gouré, je suis désolé. Ce que c'est bête, parce que c'est trop tard maintenant. Personne ne vous a demandé d'exaucer ce vœu, que je sache. Sans rigoler. Nous sommes à nouveau confrontés au problème de la défense de notre maison. Quelqu'un a une idée? Je sais! Oh, on pourrait poser un joli papier peint à fleurs sur les murs et ce vase, bien que fêlé, sera du plus bel effet sur cette table. Elle est complètement cinglée ou quoi? On va les flanquer à la porte, ces fripouilles! C'est notre maison! Envoyons Bud les espionner. Il nous dira ce qu'ils font. Et pendant ce temps-là, j'échafauderai un plan. Hé, hey, les gars! Vous avez vu ce que j'ai trouvé? C'est-y pas mignon, hein? C'est quoi, ce truc? Oh, ce que je suis maladroit. Eh, hey, j'ai trouvé un journal intime. Écoutez ça. Aujourd'hui, Gorgeous a été horrible avec moi. Ils se sont tous moqués de moi et m'ont fait pleurer. À midi, Bud n'a pas arrêté de rôter en disant que c'était moi. Ils sont tous si injustes et cruels avec moi. Oh, pauvre petite chose. On dirait qu'un petit oiseau vient de tomber de son lit. Oh, ce que c'est triste! Et en plus, il ne s'est peut-être même pas volé. À mon avis, il faudrait qu'on lui apprenne. Je sers le premier. Il faut faire quelque chose, et vite. Oh, pauvre Bud! Hé, hey Roger, ramène-toi, viens jouer avec nous! Je m'y donne trop avec ce journal intime! Grave, le journal intime! Ok, donne-moi, c'est à moi! Rends-le-moi! Voleur! Voleur! Relax, Limax! Je te le rendrai une fois que... Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Oh, c'est ma planète! C'est là où je suis né. C'est tout là-haut, on la voit d'ici! Hé, les mecs, qu'est-ce que vous diriez d'une petite partie de Pet Planet? Pet Planet! Oh, ça faisait longtemps! Oh, ça a l'air cool, ça! Ça joue comment? C'est très facile. Tout d'abord, je remue mon doigt magique. Ensuite, je vise une planète. Oups! Ah, vraiment, désolé! Ça part tout seul parfois, tellement c'est sensible.
Donc, on choisit une planète et c'est le premier qui la dégomme qui a gagné. Mais non, on fait quelque chose, vite, avant qu'il ne dégomme un autre. Un autre. Marre de vos pleurnicheries, y'a qu'à foncer dans le tas. Gorgeous, attends. Je sais comment nous débarrasser d'eux. Nous allons battre ces génies à leur propre jeu. Salut, bonne grenouille! On fait mumuse! Ah, tu sais à qui tu t'adresses, gros tas? Ouais, Tom Pouce, je m'adresse aux trois gamines en bas âge qui ont perdu leur hochet. Attends une seconde, Mac. D'où il sort, ce clown? Regardez-moi ça! Encore un bleu qui vient d'avoir son diplôme de génie et qui croit pouvoir jouer dans la cour des grands, hein? Toi et tes copines, vous me faites pas peur, face de crabe! Tu l'auras voulu, pauvre mongol, je te donne exactement 2 secondes pour faire tes adieux au monde. Eh oui! Je vous prends tous les trois ensemble. Que le duel commence! Qu'est-ce que tu comptes faire de ces trois génies à présent, hein? Et tu vois, c'est bizarre, Candy. J'ai envie de faire un grand nettoyage de printemps tout d'un coup. Ah! Ouais, Gordius a sauvé notre planète. Moi, quand on me cherche, on me trouve. Ça vient le cuistot, il y a des affamés à cette table. Le chef vous présente son plat du jour. Sentez-moi donc ce fumet de tomates farcies, osseuses. Non mais tu te moques de qui, Candy? T'espères quand même pas nourrir mon corps d'athlète avec ça? Eh, tu pourrais pas me commander une pizza? Mon fragile estomac s'accommoderait volontiers d'une nourriture plus légère. Débrouillez-vous sans moi! À partir d'aujourd'hui, la boniche Ross sont habillés! Et n'oublie pas les pizzas quand tu reviens, sinon ça va barder pour toi! Tu parles, ce guignol va revenir tout penaud! Vous allez voir qu'ils vont me supplier à genoux de revenir, cette bande d'ingrats! Je me demande quel rata ils se mitonnent. Ils savent même pas se faire des nouilles. Tu es sûr qu'on peut cuisiner les pâtes dans ce générateur d'ondes radioactives? Évidemment, tu vas quand même pas utiliser une casserole. J'ai une poussière à les yeux. Plutôt chouette notre maison, Titus, pas vrai? Eh, regarde ça. Y a même une niche pour toi. On dirait que Gorgius a comme un petit creux. Et c'est non, on ne m'amadouera pas. Je ne rentre pas. Et figure-toi qu'en plus, c'est l'heure de mon dîner. Gentil toutou. Si, si, gentil. Allez, gentil. C'est un beau chien-chien, ça, mais oui. Mais il rend la papa ta candy, le toutou. Gentil, hein? Ouf. 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 Mais Titus a trouvé un copain. Et ce petit animal m'a tout l'air d'un chihuahua. Et en plus, il est vert. T'es sûr que t'es sûr de ton coup, Gorgius? C'est la nouille du désespoir. C'est tout ce qui nous reste. Mais si quelqu'un a une meilleure idée, on y va. Allez, les petits gars, on va chercher la baballe. Allez! Bouge! Hé 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 hé!
Bravo, mes jolis. Ils doivent être affamés maintenant. Elle est bonne, la pâtée, hein? Yala, mon mignon. Oh, il aime les papouilles. Oh, oui, il est content, le toutou et son papa. Quel étonnant phénomène. Candy semble faire un transfert psycho-affectif sur une personne à caractère dominant. Tu peux traduire là? Notre ami se comporte comme un cabot. Merde, c'est dégoûtant. Ce type n'a aucune dignité. C'est honteux et c'est une trahison. Bien, je vous laisse à ce spectacle écœurant et moi je vais vomir dans un coin. Ben, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Mais, ben, je vais me coucher moi alors, bonne nuit. Je crois que ta chambre est par là. Ouais. Couché, Titus. Oh, oh, t'es mignon, toi. Yeah. Allez, rentre. Mais alors, j'avais faim, moi. Par ici, la petite bande. Pour fêter l'arrivée du nouveau, j'offre une tournée de pâté de Bangelé. Oh, j'ai vraiment passé une bonne nuit. Pareil pour vous. C'est Bud là qui se goinfre de pâté pour chien. Ah, remarque que la dignité, Bud, c'est pas trop son truc non plus. Mais nous tiendrons, bon camarade. Quand l'histoire jugera cette période, nous serons restés purs. Purs et forts. Certes, mais les propriétés chimiques de cette nourriture méritent peut-être une étude scientifique. Parce que, après tout, la nourriture apporte de l'énergie, c'est de l'énergie dont les moteurs de fusée ont besoin, n'est-ce pas? Allez, chérie, regardez qui voilà, un tout nouveau copain pour vous trois. Tiens donc, mais qui voilà? Ce n'est pas ce que vous pensez. Je suis venu ici en voyage d'études. Oui, ces choses-là sont un peu compliquées pour un non scientifique comme toi. Oh, si tu m'as trahi, Ecto. Par ici, les chiens-chiens, c'est l'heure du manger. Oh, non, pas de nourriture pour toi. Toi, tu as droit au traitement des champignons. Allez, le fauve, attaque-moi. Fais voir ce que tu vois. Bien joué, le toutou. Et pour que tu restes en forme, je vais te faire suivre un régime spécial. What we need.
searching around. Pas faire quelque chose là. C'est quoi ce cirque? Je lui montre notre plan d'évasion pour ce soir, Ignard. Mais tu ne connais pas le langage des signes. C'est juste, mais c'est l'occasion de te montrer tous ces mouvements que j'ai longuement travaillé quand je faisais de la danse moderne. Faites attention, il y a un coussin péteur d'alarme. Faites attention, il y a un poussin guetteur de charme. Faites attention, il y a un oursin mangeur d'olives noires et d'épinards. Hé les gars, il y a un truc par terre. Petit truc, attaque, attaque. Que chez soi et voilà comment on est remercié. On les nourrit, on leur donne un toit et la nuit venue, ils vous jouent des vilains tours qui mériteraient un bon châtiment. Hey Bud, tu crois que tu peux activer le SMTV? Mais le Chihuahua, il a parlé! On va fêter notre libération avec un de mes meilleurs petits plats. Mais je vais goûter la bonne pâté pour chien, moi. Cordon bleu du chef à la volaille. C'est ça, heureusement bon. Mais c'est encore meilleur que ce que tu peux imaginer. Et quand tu auras fini toute la pâtée pour chien qui nous reste sur les bras, tu pourras peut-être y goûter. D'accord, on te laisse les os. Gorgius devrait arriver d'ici deux petites secondes. Oh. C'est étrange. D'habitude, le parfum de mes délicieuses tartes au gras de chenille suffit à le faire venir dans la seconde. Ethno, je me fais du souci pour Gorgius. Ça fait des semaines qu'il n'est pas sorti de sa chambre. J'étais pourtant persuadée que ma tarte aux chenilles le ferait sortir. Maintenant que tu le dis, pourquoi ne mènes-tu pas une petite enquête? Oui, c'est ce que je vais faire. Et tout de suite, hein? Dites, les gars, est-ce que vous auriez vu Gorgius, non? La situation m'oblige à mener l'enquête. Il est dans sa chambre depuis des semaines à comploter on ne sait quoi. Ça ne tourne pas rond, hein? Même mes tartes, il n'en veut plus. Alors? Non. Aucune nouvelle depuis qu'il est venu bouffer la télécommande jeudi soir dernier. Puis il est remonté, on ne l'a pas revu. Je vois. Eh bien, je découvrirai ce qu'il fabrique, hein? Même si pour y parvenir, je dois préparer des centaines de tartes. Tarte au gras de chenille. Qu'est-ce qui va se régaler avec ces délicieuses tartes au gras de chenille, toutes blondes et toutes chaudes, à peine sorties du four? Miam, miam.
La coupe est pleine. Je ne tolérerai pas ce genre d'attitude une seconde de plus. Ethno, nous devons agir. Nul doute que le comportement récent de notre ami présente de troublantes traces de dérive antisociale. Il ne faudrait pas qu'il tourne sociopathe. Nous devons percer un jour son secret. Allons-y, Candy. Sors de là, mon garçon. Nous devons parler. Barrez-vous. Gorgeous, ouvre cette porte immédiatement. Ah, quelle joie de vous voir ici. Et qu'est-ce qui vous amène dans mon humble demeure? Vous avez bien fait de venir. Je vais avoir l'immense plaisir de vous montrer la toute dernière de mes créations. Ça! Oh, 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 c'est génial, c'est super! Ah, 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 ben qu'est-ce que c'est? Tu es sûr que ça va, mon grand? Tout sent bien? Je me suis jamais senti aussi bien depuis que j'ai découvert l'art! C'est quoi l'art, Gorgeous? Ouais, selon le célèbre critique d'art Vladimir Zakharov, l'art est une activité que les humains ont inventée pour satisfaire leurs besoins d'expression. L'art est une interprétation du monde vue par l'homme selon des critères purement esthétiques, une sorte d'élévation spirituelle. Et ça fait des trucs qui se vendent jusqu'à 20 millions de pépettes. Attends une seconde, si je comprends bien ce que tu dis, tu crois réellement que tu réussiras à vendre ton... Ah, plusieurs millions de francs. Ah, j'ai l'impression que tu as commis une petite erreur de calcul. Mais puisque je te dis que c'est de l'art, et je suis un grand artiste. Il y a un nouveau locataire. Oui. Zoom sur lui, Bud. Je voudrais le voir de plus près. Oh, j'en crois pas mes yeux. C'est lui. C'est Vladimir Zakharov, le célèbre critique d'art. Vous n'aimez pas mes œuvres, gros tas de pluc? Mais Zakharov, le célèbre critique, les comprend, lui. C'est moi qui vous le dis. Gagné, il mord à la part. C'est la découverte du siècle. Positivement monstrueux. Maman, quel génie. Ouais, vous avez vu ça? Il adore ce que je fais. Quel réconfort quand même quand on tombe sur un connaisseur. Oh, ce ne peut être que l'œuvre d'un grand maître inconnu. Il n'y a qu'à servir. Oh là, c'est bizarre. Ah. Où est l'artiste? Comment se fait-il que personne ne soit là pour surveiller les œuvres? Hop, cette maison est déserte. Je n'ai plus qu'à me servir et exposer ces toiles. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de cacher de telles œuvres d'art. De purs chefs-d'œuvre. Absolument magnifique. J'adhère complètement. Ces tableaux sont le reflet de l'éternelle tension inhérente au système de punition-récompense de notre société industrielle et blablabla et blablabla. Et naturellement, le bleu et le rouge donnent du vert, le vert et le marron donnent du caca, et le cours de la bourse sera du rouge et marron à partir de demain. Blablabla. Un toast. Levons nos verres au plus grand génie de cette fin de siècle. Formidable. Regardez-le, il s'octroie tout le mérite de mon œuvre. Cet escroc récolte toute la gloire, alors que moi, je suis forcé de rester dans la pauvreté et l'obscurité. Ce charlatan me le paiera, je prouverai que c'est un usurpateur. Fastoche. Candy, mon petit poussin, sois sympa, donne-moi ton pot de piment extra fort. Tu parles de mon pot de piment que je fais pourrir depuis 115 ans? Ouais, donne-le-moi. Comme tu voudras. Mais attention, hein, n'oublie pas, hein, je ne saurais être tenu responsable d'éventuels effets secondaires. Une goutte et c'est assez. Ouvre la bouche. Gorgeous t'a ramené une petite douceur. Ah!
C'est mieux que ce que je croyais. Ils détesteront, ce gros escroc foutu. C'est sans doute l'une des œuvres les plus créatives de la décade. Vous voulez rire, très cher. C'est le tableau du siècle. Comment faites-vous pour créer ces merveilleux chefs-d'œuvre, Maître Sakharov ? La sincérité, je ne vis que pour ce que je fais. Ça remonte du ventre, c'est tiède et puissant. C'est, comment dirais-je, c'est très... Oh, de toute manière, vous ne comprendriez pas, c'est une telle intensité. Certes non, il n'existe pas de mots pour décrire un tel chef-d'œuvre. Il y a sûrement un chiffre pour l'acheter. C'est dingue ce qui m'arrive. Gorgeous, vois-tu, la vie n'est pas toujours telle qu'on se l'imagine. Bien sûr, mais c'est injuste. C'est injuste, je sais, mais écoute. Et vous aussi, les enfants, écoutez bien. Ne perdez jamais courage face à l'adversité. Vous devez vous défendre. Et plus important encore, ne jamais abandonner. Ouais, c'est ce que je vais faire, Ethno. Et je reste faucheton, même si ça doit prendre tout l'épisode. Excuse-moi, j'ai du boulot. Gorgeous, qu'est-ce que tu fais? Attendez de voir ça. Oh, je pète d'impatience, veux-je dire. Vite, vite! Oh! J'adore, oh. C'est magnifique. Oui. Monstrueusement magnifique. C'est fantastique. Ignoblement prosaïque. Je n'ai jamais rien vu d'aussi maman. C'est tout mon distinct. C'est absolument exceptionnel. Oui. Cette découpe-là, comme ça, oh. Ça leur plaît. J'ai tout détruit et ils trouvent ça encore génial. Oui, cette exposition essaye de montrer ma quête artistique, cette volonté de fusionner avec C'est si... destructif. C'est ça, destructif, le terme de cette exposition est le destructionnisme. Je vous décerne le prix du plus top génie sur Terre. Je vais leur donner, moi, du top génie. Parfait, le chef-d'œuvre intégral. Bonjour, messieurs. Je peux quelque chose pour vous. Peut-être. Je veux ce que vous avez de mieux. C'est pour ma chamelle, Gertrude. Ah, suivez-moi. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Voilà. Waouh, génial. C'est super. Qu'est-ce que c'est? Et je l'ai appelé autoportrait d'un charlatan. J'achète. Voilà l'argent. Envoyez-le à Gertrude immédiatement. Il sera fait selon vos désirs, cher chèque. Eh bien, tu vois, finalement, t'es capable de faire une excellente toile. Ah, on se connaît bien sous la voûte étoilée. D'une nuit d'été paisible et douce. Et là, oh là là, regardez, la constellation du fer à repasser. Oh, et moi je vois la constellation du télévision. Et là-bas, c'est la constellation du hot dog. Oh, qu'elle était belle. Si vous faites vite un vœu, il se réalisera. Toi, vas-y, dis-nous le tien. Ah, un vœu, ça se garde pour soi. Si je disais que mon vœu, c'est de rentrer à la maison, il se réaliserait jamais. Est-ce que c'est plus sûr qu'il se réalise si l'étoile nous tombe dessus?
intéressant. Ça m'a tout l'air d'une météorite. Excuse-moi, Ethno, mais ta météorite, elle est en train d'éclore. Mais c'est quoi ce truc? On dirait un joli petit poussin venu de l'espace. Guili, guili, guili. Couti, couti, couti. Alors, on s'est perdu. D'où est-ce que tu viens, adorable créature? Ne t'en fais pas, nous sommes tes amis. Personne ne te fera du mal. Hé, hey, les gars, ça commence à peser là-dessous. Eh oh! Eh oh! Alors, dis-moi, charmant petit bonhomme, tu dois être affamé. Oh, si, c'est pas trognon, hein? J'ai du mal à trouver trognon, ce truc bizarre tombé du ciel qui m'a écrabouillé. Et toi, tu serais pas aussi un truc bizarre tombé du ciel? Oh, vous avez vu ça? Il vient de se transformer en toaster. Il s'est transformé en moi. Oh, il n'a pas le droit. Arrête d'aboyer, Candy. Ce n'est pas le moment de lui faire peur. Oh, j'aime bien ce Candy. C'est le même, mais en version muette. Regarde les belles. Plus de papier. Vous pouvez m'envoyer le truc bizarre, s'il vous plaît? Gorgeous. C'est passionnant. Cette créature possède non seulement des capacités de transformation, mais aussi des capacités télépathiques. C'est quoi la télépathique? Sûrement le début de nouveaux problèmes. Non, cette chose peut lire dans nos esprits. Elle voit ce qui se passe à l'intérieur de nos têtes. Et après, elle peut se transformer en l'objet auquel nous pensons. Ah, mais il est hors de question que quiconque lise dans mes pensées. Et puis qu'après, tout le monde les voit. Il suffit de se débarrasser de ce machin-là. Mais tu ne te rends pas compte, Candy, ce petit bonhomme. C'est une merveille d'évolution qui vient probablement d'une société très avancée. Par conséquent, ses congénères sont probablement déjà partis à la recherche de leurs camarades. Résultat, son rouleau de papier toilette, c'est notre ticket pour rentrer à la maison. Hein? On va rentrer en passant par les toilettes? Votre attention, s'il vous plaît. Les personnes ayant égaré une petite créature verte, fluorescente et gélatineuse sont priées de venir la réclamer sur la planète Terre. Ouch! Candy, c'est quoi cet entonnoir sur ta tête? Et tu peux me dire ce que ça fait planter dans mes fesses? Cette crotte de nez intergalactique n'aura pas mon cerveau. Non. C'est pas du jeu, Gorgeous. Ça fait 20 fois que c'est ton cerveau qui l'a. Attends, juste une dernière fois. Ok, pareil à penser. Go! À moi, bonsaï. Et vis à peu ce coup-là. Je répète, les parents de la petite chose verte venue de l'espace sont priés de venir très vite la rechercher sur Terre. Bon, je crois que j'abandonne là pour ce soir. D'où viennent toutes ces biscottes? Ah! Une invasion! Ah! Ah! Vous avez dit qu'il fallait se méfier des trucs venus de l'espace, surtout de ceux qui font des miettes sur le paquet. Oh.
Il semble que la musique exerce un pouvoir hypnotisant sur ces machins télépathes. Ça suffit là, je crois. Non, stop ! J'ai dit stop ! Tu sais, Candy, à ta place, j'arrêterai de regarder ces vieux dessins animés. Ils ont regardé toutes mes cassettes de Derrick sans rembobiner. Je crois qu'on est tous d'accord sur un point, il faut s'en débarrasser. Mais comment? Il y a une chose de sûre, les transformer en aspirateur, on oublie. On essaie en plumeau, hein? Mais moi, j'aimais bien la musique. Musique, c'est ça! Planète. On y va! Salut les pâtes à modeler et longue vie dans la forêt! On serait pas déjà passé par là? Je crains qu'on se soit égaré. Quoi? Tu veux dire qu'on est perdu? C'est ça au milieu! Des bêtes sauvages! On reverra jamais notre maison! Je ferai plus jamais la cuisine! Je reverrai jamais plus mon aspirateur! Gardez mes mains! Vous dégagez dans la forêt! Ils nous ont retrouvés! Oh, regardez, à votre avis, c'est quoi la signification de cette flèche? Par expérience, je dirais qu'ils souhaitent que nous les suivions. Allez, en route vers le frigo! Stop! Étant donné qu'ils peuvent se transformer à volonté en n'importe quel objet, nous pourrions voyager à l'intérieur d'eux, dedans. Vous n'avez rien compris, je vais vous faire visualiser mon idée. Il suffit de penser à une fusée et madame est servie. Il ne nous reste plus qu'à penser très très fort à notre chère planète. Gorgeous! Ce sont les parents du truc. Ils nous remercient d'avoir pris soin de leur petit, mais il se fait tard et ils doivent rentrer maintenant. Je sais. Leur chant résonne dans ma tête aussi. Dommage. Mon idée était excellente, du moins en théorie.
quelques milliers de kilomètres nous mettront en appétit. Les trucs bizarres de l'espace, ça serait pas plutôt nous, maintenant? Tenez-vous bien, mes camarades, et devinez qui vient d'accomplir un véritable exploit. Votre ethno qui, après avoir terrassé les mystères de l'attraction terrestre, percé les secrets de la propulsion subatomique et résolu d'inquantifiables équations quantiques, est parvenu à ce résultat. Ma nouvelle soucoupe est prête, nous rentrons à la maison. Votre silence flatte ma modestie. Restez assis, je m'occupe de tout. L'émotion vous paralyse, c'est tout à fait normal. Je vous présente mon nouveau modèle, Superstar 2329. Vous trouvez qu'il ressemble à un éléphant, l'espace exprès? C'est pour passer inaperçu avant le décollage. Les propulseurs sont dans les genoux, le poste de pilotage au sommet. Voici quelques consignes de sécurité. En cas d'atterrissage forcé, les issues de secours se trouvent de chaque côté de l'appareil. N'actionnez les gilets de sauvetage que vous trouverez sous vos sièges que sur invitation de l'équipage si, au moment de la catastrophe, celui-ci est encore présent à bord. Waouh, je trouve ce vaisseau assez... comment dire... C'est donc carrément efféminé, je crois que ça colle. Nous avons une fenêtre de tir avec une météo favorable dans 11 minutes et 15 secondes. Alors, préparez vos valises. Super! Un nouveau locataire et en plus il a l'air pas commode. T'as vu ses pantalons? Il doit avoir des cuisses énormes. Et le point rouge sur le front, c'est la même veilleuse comme sur ma télé? C'est pas tout, on a un éléphant à prendre. T'as de beaux yeux, toi, tu sais. Nos bagages et j'ai fait l'état des lieux. Nous sommes prêts à quitter cette planète pour ne plus jamais y revenir. Et aurais-tu l'amabilité de venir piloter ton formidable vaisseau? Oh, Ethno, pas partir déjà. Il reste encore Ethno. Mes hommages. Je m'appelle Marc, je suis journaliste vedette à Royauté Magazine. Je passe mon temps à parcourir la région en quête de belles princesses à interviewer. Oh, quelle heureuse coïncidence, car je suis moi-même la princesse Zibouya de Bombay. Votre beauté est digne des plus nobles reines. Et ce jour est un jour béni. Si vous daigniez m'accorder un petit entretien, nos 700 millions de lecteurs auraient la joie de partager quelques instants le quotidien d'une princesse et vous feriez de moi le plus heureux des hommes. Oui, entrez donc boire un verre. Nous, on doit décoller. T'attends quoi pour nous rejoindre? Je te rappelle qu'on a une fenêtre de tir super serrée. C'est vraiment pas le moment. Ouch. Vous savez, la vie d'une princesse n'est pas si extraordinaire. On se lève le matin quand on est réveillé. On n'enfile que deux pantoufles, comme tout à chacun. Rien de bien original. Les manoirs, les yachts, on se prépare tout l'après-midi pour la soirée de gala. Il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez savoir? Eh bien, pour commencer, dites-moi ce qui a amené une créature céleste comme vous à venir s'installer parmi nous autres mortels. Je me suis enfouie. Enfin.
enfin, je veux dire, je fuis pour oublier. J'étais amoureuse d'un prince et nous devions nous marier. Mais il est descendu à l'épicerie un jour, car nous n'avions plus de riz. Et depuis, plus rien. Rien. Et j'attends toujours après mon riz. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'Ethno est tombé amoureux d'un être humain? Ce serait pas interdit par la loi. Oh, mais il n'y a aucune loi en amour. Oh, l'amour est un délicieux frisson qui fait friser tes orteils et qui te fait respirer comme un buffle. Ta cervelle est tétanisée, tu n'arrives plus à penser et tous ces mauvais feuilletons à l'eau de rose te nouent l'estomac et tu as mal au ventre. L'amour fige à chérir béat sur ton visage et ton cœur se sent à l'étroit dans sa cage. Et tu transpires à grosses gouttes sans parvenir à te contrôler quand l'être aimé s'approche de toi. Mais lorsque ton amour s'éloigne, tu te sens comme un naufragé à la dérive. Et alors une chaussette oubliée ou l'ombre d'un parfum te rappelle sa présence. Et te voilà soudain submergé de bonheur, ivre de joie. L'amour, c'est comme si tu courais nu dans la steppe sur un cheval lancé au galop. L'amour, c'est beau, c'est grand, c'est généreux, c'est merveilleux. C'est la vie, c'est si doux. Et si l'amour était une ville, mais oui, ça serait... Quelles sont mes passions? Oh, et bien d'abord j'adore chanter depuis que je suis toute petite. Chanter m'aide à supporter les problèmes de ma vie. Mais j'ai aussi une autre passion secrète, un truc qui me chamboule complètement. Les aliens. Je rêve de voir un alien ou encore mieux d'en rencontrer un. Et je sais qu'ils viendront un jour jusqu'à nous. Écoutez, princesse, ce rêve vous semblait fou. Eh bien, oh, splendeur de l'Orient, il est exaucé, car je suis un extraterrestre et cet alien vous aime à la folie. Monsieur Mark, n'essayez pas de me faire gober n'importe quoi. Vous n'êtes pas un alien, oh non, je connais les aliens. Les aliens ont des tentacules et pas des moustaches. Seulement certains. Zibouya! Pas une autre chanson. Vous n'avez pas de tentacules, vous, un alien, c'est ridicule. Où est donc votre soucoupe, vous, un alien, quelle soucoupe, je ris. Vous avez trop d'animaux, des trous du nez au bout des mains. Je veux connaître d'autres races du fin fond de l'espace. J'ai un très gros vaisseau, voulez-vous faire un saut? Je vous offre la voie lactée en produits de beauté. Je vous offre la lune, les anneaux de Saturne. Venez, princesse, je vous emmène vers les cieux des aliens. Quand je pense à tout ce qu'on fait pour qu'on ne sache pas qui nous sommes, oh, nous devons aller tirer Ethno des pattes de cette créature, sinon tout ça va se terminer très mal. Soyez pas cruel, mon cœur dit chancelle. Dans l'espace intergalactique, princesse, vous êtes unique. Si vous ne me croyez pas, embarquez avec moi. Sur le vaisseau de la passion, j'ai toutes les options. Oui? Salut! Dis, poupée, ce serait pas chez toi par hasard qu'aurait échoué mon Jules? Écoute, ma belle, tu le sais peut-être pas, mais je suis du genre jalouse. Alors tu me le rends et tout de suite! Un peu, et même qu'on est jalouse, tous les trois! André prendra un pot. Venez, dès qu'elle tourne le dos, j'en fais mon affaire. On a un pot, mais on n'a pas de bol, on va se tomber. J'attends votre signe, chère maman, lèvres sur son éléphant. Votre prince est devant vous, sentez la gomina et l'amour fou. Dans ses bras, je tiendrai serré, ce sera Broadway, ce sera Bombay. Ce sera l'amour le plus fort, l'amour en technicolor. Bah, veux-tu bien, tu...
Ethno, non mais tu veux finir dans une éprouvette ou quoi? Tu ne te rends pas compte que s'ils nous attrapent, ils vont nous disséquer en nous griffant avec leurs ongles? Oh, Candy, je me sens rajeunir à vue d'œil. Quel bonheur d'être amoureux du plus magnifique spécimen de mammifère qui soit dans ce monde. Je brûle de courir avec elle au soleil couchant, au bord des océans sulfuriques de notre planète. On est foutus, les gars. Si jeune est déjà prêt à s'engager. Zibouya! J'ai une surprise pour vous. Zibouya! 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 Oh, c'est bien les aliens que vous aimez! Ah, on est bon pour la table de dissection, les gars! Non, on joue notre dernière carte, on l'abandonne et on se débrouille pour faire démarrer le vaisseau! Oh. Vous voyez, ma pauvre Violette se décolle! C'est celle d'un alien! Zibouya, amour de ma vie, tu es là. Oh, Vekash, tu m'as retrouvé. Tu m'as apporté le rime. Mon éléphant est tombé en panne, mais à présent nous voilà réunis, ma princesse. Mon amour. Ma Zibouyette. Non mais, pourquoi il y a deux vaisseaux maintenant? Pardon vite, ma princesse, je me suis garé en double fil. Et comme nous avons du riz à jeter, nous pouvons enfin nous marier. Où irons-nous en voyage de noces? Avec toi, j'irai jusque dans les étoiles. Zibouya! Mon ami! Et nous, le pilote commande, au secours! Ressaisis-toi, Ethno. Après tout, ce n'était jamais que l'amour de ta vie. Et puis vois le bon côté. Un amour de sa vie perdue, ça fait au moins trois copains de sa vie qui reviennent. Oui, vous avez raison. Cette histoire était une impasse. Ah, je me sens déjà mieux. Merci, les gars. Ouais, tu pouvais rêver de quoi au mieux? De passer toute ta vie avec une fille aussi super belle que super intelligente? Si tu passais le reste de ta vie sans plus jamais ouvrir la bouche. Responsable de cet affreux vacarme. Cette chose est humaine. J'essaie d'identifier la nature exacte de ces créatures. Celle-ci semble être une ancienne femelle humaine. Remarquez les cheveux gris, le teint jaunâtre, la masse nasale imposante et la pilosité auriculaire. Mais ce qui en dit long, c'est la peau aussi desséchée que ridée. Regardez comme l'épiderme pendouille autour du squelette. Comme de la viande molle. Oui, Ethno, merci, c'est bon, on a compris. Et ce truc qui s'est gosé, là? Pas le moindre indice. Prudent, Candy. Quand ils atteignent un âge avancé, les humains deviennent fragiles.
dépendants. Leur force s'amenuise, leur sang s'émousse et ils perdent souvent l'usage de l'esprit. Je pense que cette humaine réagira plus favorablement aux généreux conseils de l'un de ses congénères. Je vais me changer. Vous désirez? Bonjour, je m'appelle Albert Séculaire. Bienvenue dans notre... File-moi tes économies, Vitos! Ah, un malfaiteur, hein? Et permettez-moi de vous présenter mon chien, Tétanos. C'est un pitbull caniche et une chose est sûre. Tétanos, il s'est causé au malfaiteur. Soyez tous deux bienvenus parmi... Et ces malfaiteurs sont des nuls, même pas fichus de voler une vieille dame. Bouh. 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 Oh, ah. Ah, bouh, 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 bouh. Problème numéro 1, le chien. Si nous nous débarrassons du cornio, la vieille dame fragile sera désarmée. Le toutou veut faire ses petits besoins. Nous avons votre chien-chien. Eh oh, mamie. Oh, mamie. Ah ah. Venez vous battre, sale voyou, et dégonfler. Stérieux, fonce! Petit loupard! Une solution de rechange s'impose, il me semble. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Nous allons nous emparer de cette vieille bourrique, la coller dans un sac et balancer-la dans un ravin. Je ne vois que cette solution. Vous désirez? Qu'est-ce que... Des sauterelles? Saleté de sauterelles! Mais bien entendu, Mathilde, qu'est-ce que tu crois que c'est? Des photos de mes amoureuses et c'est pas trop elle fait, j'ai fait une minette. Mais bien sûr, parce que voilà, il faut commencer un brûlant d'âge. Des oreilles humiliées, tu commences à en avoir par-dessus les oreilles de cette vieille taupe.
Je crois avoir une dernière solution. L'idée m'en est venue à 4h56 du matin. Oh, vieille femme, ta dernière heure sur Terre est venue. Viens avec moi. Dégage, Loubert. Tu m'emmèneras nulle part. Allons, chère madame, ce n'est pas la mer à boire. Il y a des tas de choses à faire. Spectacle gratuit, poker entre amis, dancing tous les samedis soirs. Pas de loup-bar et les chiens sont acceptés. Toutes mes félicitations, vous voilà partie pour le grand voyage. Et hop, salut la compagnie. Envoyez-nous des cartes postales. Au revoir. Bye bye! Bye bye, vieille taupe! Adieu, Germaine! Salut, tétanos!